Salut à toutes et à tous, on est là ensemble pour un nouvel épisode bonus, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on va tester Proa et Pharas, le duo de folie. Alors j'ai joué un peu, entre-temps, je les ai pas testés, mais j'ai débloqué une de leurs armes. Du coup, j'ai équipé leur meilleure arme, le tiers final de leur arme, mais bon, je préfère le préciser. Voilà, donc là, sur cette version-là, il a des putains de scies. Je crois que sur la version normale c'est juste des lames. Mais... Allez, ce TP carrément Proa. Transformer l'invention. Ah, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ah bah, ah! Ça me fait mal aussi à moi! Attends. Ah, j'ai un cooldown, ok, le cooldown en haut à gauche. Et Pharas peut y laisser des plumes, c'est ça. Ok, on a du marteau, on a de la toupie Beyblade. Ah! Et là par exemple. Ok, il faut que je me bouge. D'accord. Waouh, putain, mais c'est incroyable! En fait, oui, on voit en haut à gauche quelle est la prochaine créature divine. Ok. Hop. J'aime bien en vrai, c'est classe. Attention. Merde. On va voir ce que ça fait ça. Oh! Je vois donc en fait, il attaque principalement avec. Enfin, principalement. Il attaque avec des versions miniatures des créatures divines. C'est vachement cool. Tiens, toi, mange-toi ça. Montre-moi ce que ça fait. C'est très marrant. C'est très très marrant. Salut. Ça te dirait de genre prendre ça? Attends. Ok. Oh ouais, merde. Ok, j'avais pas vu que j'étais dans la zone. Attends. Ça fait quoi ça? Ok. Bon, ok, ça c'est un peu décevant, on va se mentir, c'est pas trop trop classe non plus. C'est rigolo quand il court. Il replie les bras comme ça. Attends, mais. Il me Proa juste, elle vole sur sa petite boule là. Et lui, il court vraiment comme un dératère en mode. Ok, on a ce coup là. Ça. Oh, c'est sympa ça. On a le coup de marteau donc attends. Ouais. Ça fait juste ça. 1, 2. Ok, là c'est tape devant. C'est elle qui prend le contrôle, j'avais pas vu. Ok, c'est les 4 là le truc. 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et je tape devant, c'est bien. Je pense que j'ai vu un peu tous les combos. Hop. Ça c'est vachement puissant, je trouve. C'est vachement puissant. Voyons voir un peu ce que ça donne les. Ok. Voyons voir un peu ce que donnent les autres. J'ai pas l'impression qu'on puisse changer quelle créature divine on a. Y a plus d'ennemis qui ont spawné, c'est un peu embêtant. S'il vous plaît. Ah. Ok, très bien. C'est comme... C'est qui fait ça? C'est Impa? Ouais. Ça fait sens du coup. Hop. C'est très basique, d'accord. Enfin, c'est un bouclier que j'ai là, je sais pas. Attends. Et ça. Ok, c'est très basique aussi. On sait jamais, on peut avoir des bonnes surprises, comme avec Ganon et ses pics ou Terrako avec sa cage là. On sait surtout ce Kryonis qui sont. Comment dire. Plus originaux, plus créatifs. En même temps, c'est plus facile d'avoir la créativité quand on module de la glace. Oh, sympathique. Bon, par contre, on les défonce, hein, vu le... Parce que bon, je suis niveau 70 au lieu de 58. Oh, oh, c'était très classe, ça. J'étais très haut niveau, enfin, je suis beaucoup plus haut niveau que ce que je devrais être. Et j'ai une arme, pareil, qui est beaucoup plus énervée que ce que je devrais avoir, donc forcément, ça aide. De toute façon, on a pas besoin de faire un test de 20 minutes, hein, c'est juste pour voir un peu
les coups qu'ils ont sur le truc. En soi, ça pourrait, la vidéo pourrait s'arrêter juste à quand on a terminé ça. Hein. Ce serait pas si dérangeant, je pense. Allez, manque deux là. Toi. Bah écoute, c'était marrant. Bah en vrai, j'ai regardé, on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir, hein. Les combos, les coups fatals, les coups points faibles, les modules Sheka, le dash, il y a tout. Après on peut quand même regarder les différents tiers de son arme. Ah, j'ai encore quelques nouvelles améliorations. Bah, allez, éventuellement, on va voir ce que sont ces améliorations. Nouveau combo. Et jauge de CF, très bien. On va voir ce que donnent ces nouveaux combos. Oh, on est avec Roam. Si on veut plus de subventions, il faut montrer un résultat à sa majesté avec conviction. Mais bien sûr! Bien évidemment. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, mais... Tu m'empêches de faire mon boulot, toi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ok. Donc il est à fond devant lui. C'était assez flou, attends, on va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ok, très bien. Il avance en tapant comme un... C'est marrant. Et l'autre, c'est, je crois, en spammant... C'était en spamant Y, hein? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh yeah! Rock and roll! J'adore Pharas. C'est fou. Oh merde! C'est fou, ils ont des attaques. J'adore. Tiens, on n'a pas vu les baguettes. Enfin, si, on a vu, mais j'ai pas regardé. Quand je l'ai utilisé sur cette glace. Non, bras 0, pardon. Ok, je la tiens comme ça, très bien. J'ai pas besoin de ça pour te battre. Il y a Terako aussi, tiens, avec nous. Mais bon, on n'est pas là sur un épisode spécial Terako. Mais il y en a un, si vous le cherchez. Il s'affiche juste en haut à droite. Allez, hop, viens là, toi. C'est encore un échec. Quoi? Ah, merde! J'avais pas compris. Toucher l'essentiel. Ah, mais j'avais pas compris, putain! Il fallait le dire! Voilà! Je n'avais absolument pas regardé les objectifs de la mission en fait. Mais elle attaque elle aussi! J'avais pas vu. Oh! Oh, on se fait chier! Putain, le culot! Ok, en fait, j'avais pas vu qu'il fallait les éliminer d'une façon. Le roi il est juste là, il regarde. Ah, bah il a pas son épée normale. Je reconnais votre passion, mais ça ne permet pas d'évaluer vos résultats. Ah, il va les affronter direct, je pense. Faut la ressentir dans sa chair. Ouais, regarde ça, il s'énerve maintenant. Vas-y, viens là. Run for it. Aïe. C'est la première fois qu'on affronte le roi, non? Je sais plus. Je me demande s'il peut changer de... Comment elle dit ça? Oh bah dis donc. Je pensais pas le terminer comme ça. J'allais dire, je me demande s'il peut changer de forme le roi, mais bon, on verra pas finalement. On a tué le roi! Yeah! Leur petite pause là. Incroyable. Encore de nouveaux trucs? Oh, je vais pas refaire un truc, c'est bon. Attaque spéciale renforcée, qu'est-ce qu'on a? Le temps d'attendre entre deux... Ouais, ok. Ça change pas le gameplay. Ça, c'est quoi? Chose de CF plus 1, j'avais oublié de le faire. Et Kermax plus 2, bon. On a rien de plus à tester avec eux. Bah c'est bon, j'ai tout avec eux. Nickel. Bah sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de Proa et Pharas. Perso, j'adore. J'adore beaucoup le... J'aime beaucoup l'idée, j'aime bien le gameplay. Un peu pété avec les créatures divines, mais franchement, ça va. Même si je comprends pas bien encore comment utiliser... Vanaboris, parce que visiblement on peut rien faire pendant qu'il y a Vanaboris, faut juste attendre de loin. Mais bon, ça reste quand même intéressant à regarder, j'aime beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de votre avis à vous. Sur ce,
Je vais vous proposer les habituels partages, commentaires, abonnements et likes. Et je vais vous laisser en vous disant au revoir.